J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les potes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas si drôle que ça, mais voilà. Vava se doit de vous en parler parce que ça concerne Vava. Ouais. Et voilà, y a rien de grave, les potes. Prenez pas peur avec le titre ou quoi. Mais voilà, Vava passe une période dans sa vie. Vava passe une période tout simplement dans sa vie qui est pas facile à passer. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà vécu ce genre d'événement. Mais bon, voilà, va vous en parler aujourd'hui. Je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus, comme d'habitude. Merci vraiment à tous ceux qui participent aux pouces bleus. Merci également à tous ceux qui partagent et s'abonnent à la chaîne. Franchement, c'est grâce à vous qu'on avance. Aussi à remercier tous ceux qui vont nous soutenir dans la boutique, ceux qui vont le faire après cette vidéo, ou ceux qui le font déjà. Nous, tout simplement, on se dit un bon visionnage. Vous avez vu au titre, les potes, Vava, elle va partir. Elle va partir ce week-end. Voilà. Donc... y a rien de grave, avec Vava on se sépare pas, enfin du moins j'en sais rien, non, je pense désolé pas. D'ailleurs si vous avez pas l'habitude de voir ce décor, c'est juste qu'on a tourné du coup deux vidéos, une pour Joe et une pour ma chaîne, et étant donné que sur ma chaîne je me mets toujours dans ce cadre là, bah en fait je sais que vous avez pas forcément l'habitude de vous nous voyez plus souvent sur le canapé, mais voilà, au moins je tiens au courant, voilà pourquoi on tourne ici. Tout simplement, je reprends, Vava part ce week-end, donc pour des raisons familiales, elle va... je pense un petit peu vous en parler durant cette vidéo. Honnêtement, je vous le dis d'avance, je pense pas qu'elle compte rentrer dans les détails ou qu'elle compte justement plus en dire là-dessus parce que ça la concerne elle et je vais la laisser justement vous dire ce qu'elle a à vous dire. Et du coup voilà, surtout qu'en sachant que c'est pas du tout facile pour elle et... Piccolo qui fait n'importe quoi bref. Voilà, je compte vraiment sur vous pour écouter Vava avec attention et voilà, juste à l'écouter. Alors la vraie raison pour laquelle je pars ce week-end, c'est parce qu'il y a un membre de ma famille qui part vivre à l'autre bout du monde. C'est pas très facile d'en parler. Ça fait plusieurs jours que je dis que je suis pas très bien, que Roro est pas très bien. Putain, j'arrive pas à sortir trois putains de mots de ma bouche. On en a parlé longuement avec Roro, c'est vrai que ça allait pas très bien ces derniers temps. Mais vous inquiétez pas, ça va pas forcément durer très longtemps, c'est juste que je tenais à vous tenir au courant. Au moins du moins pourquoi ce week-end je m'absente, parce que je pense que, et vous pouvez comprendre que c'est important pour moi. Je vais un petit peu éclaircir tout ça. Alors, Vava, elle s'absente ce week-end. Vous aurez un live demain soir, donc vendredi soir, ouais. comme d'habitude. Samedi soir vous avez pas de live. Demain soir vous aurez un live, donc vendredi soir comme d'habitude. Samedi vous avez pas de live parce que bah, Vava sera pas là tout simplement, ouais. Et samedi dans la journée bien sûr vous aurez une vidéo. Normalement on l'aura préparée d'avance, etc., etc. Je préfère vous le dire, dimanche soir vous avez un live comme d'habitude, yes. Aussi, je préfère vous tenir au courant aussi parce qu'il y en a plein qui vont peut-être se poser la question. Voilà, Vava au moins vous avez un petit peu la raison de pourquoi, de comment, de son absence. Je voulais juste à dire que je peux pas en dire plus parce que c'est personnel, c'est familial. Et je vais pas rentrer dans les détails, je pense vous en avoir déjà dit beaucoup trop et suffisamment d'ailleurs. Chacun a ses petits secrets de famille entre guillemets et je préfère garder ça secret. Dire qui c'est, ni où, ni quand, ni comment. Enfin, au moins vous savez à peu près pourquoi ce week-end je serai pas là. Vous inquiétez pas, on a tout prévu pour vous en termes de vidéos, pas forcément en termes de live puisque samedi soir du coup on l'aura pas. Bah samedi soir, ouais, voilà. Du coup ça sera pas possible. Mais dimanche soir on sera de retour, vous inquiétez pas. Vendredi aussi rien ne change, du coup voilà. Pas facile cette vidéo pour ma petite Vava, parce que bon voilà, c'est quand même une situation comme je vous ai dit, que peut-être certains ont vécu, mais qui est pas facile, qui est jamais facile, c'est pas simple, je me mets à sa place et moi-même je suis pas bien pour elle. Donc il y a un maximum de compréhension les potes dans les commentaires, parce que je veux pas avoir de moquerie ou je ne sais quoi, enfin. Du coup vous pourrez comprendre que ce week-end je pars pas avec Piccolo, parce que la dernière fois que je suis partie chez ma famille avec Piccolo, c'est-à-dire il y a je crois deux, trois semaines, quelque chose comme ça, ça a été une horreur, il est en train de chasser une mouche, bref. ça a été une horreur, du coup je l'emmène pas ce week-end avec moi, c'est moi qui le garde. Il va rester avec Roro, donc Roro le gardien qui va pas oublier les croquettes et l'eau, bien sûr. Non, parce qu'à chaque fois elle se moque de moi, parce que c'est elle qui remet les croquettes et l'eau, et du coup elle me dit mais si je serais pas là en vrai le chien il mourirait, mais non. À vous des fois j'y pense. Presque. Non. Non il y pense. J'ai fait la blague à chaque fois, j'ai dit vu que ce week-end tu vas partir, et bah ce week-end Piccolo il va ni manger ni. Non mais en soi même si il venait à oublier Piccolo. Non mais c'est même pas ça, c'est que Piccolo il mange pas, il boit pas quand je suis pas là. Ouais. Donc en soi il va ni pisser, ni chier, ni boire, ni manger. Il s'arrête de vivre quand je suis en pas là. En fait ouais, quand il y en a un ou deux même qui est pas là, et ben il mange pas, il boit pas et il pisse pas et il chie pas. En gros c'est comme si on n'avait pas de chien quoi. Non mais en gros c'est qu'il s'arrête de vivre un peu. Ouais un peu.
Mais bon, c'est piccolo quoi. Donc voilà, du coup, ce week-end, j'emmène pas. Je vais laisser la tâche compliquée à Roro. Moi, j'aurai d'autres choses à m'occuper que ça. Je vais essayer de profiter un maximum. Comment allez, les potes? Vava vous a fait un petit peu, entre parenthèses, son annonce. Nous, on vous a prévenu aussi. C'est important pour nous, vous le savez à chaque fois, de vous prévenir sur ce genre de choses. Parce qu'on veut pas vous laisser, on va dire, sans rien. Enfin, sans rien. C'est pas qu'on vous laisse sans rien, mais. Je sais que samedi soir, il y en a qui vont se poser des questions, pourquoi vous êtes pas en live, etc, etc. Bah du coup, là, vous avez la réponse dans cette vidéo. Voilà. Voilà, bah c'est pas gravissime, mais au moins, voilà, on vous le dit. C'est difficile. Bref, en tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés, comme d'habitude, les potes. On m'a conduit, c'est vrai qu'on vous avait fait une vidéo il y a 2 jours de ça, il me semble. 2-3 jours, ouais. 2-3 jours, bref, je sais plus, où on vous avait parlé de mon permis de conduire, du coup, que j'allais bientôt le passer. Alors, pour vous faire un petit update... Là il me reste 3 heures de conduite et j'ai demandé à mon moniteur comment ça allait se passer pour la suite puisqu'il me restait plus que 3 heures et du coup il m'a dit que j'allais devoir reprendre quelques heures. Bon ça m'aurait pas étonné mais voilà je sais pas si c'est parce que ils veulent que je reprenne des non, heures. Non je pense pas. Mais en tout soi monde, voilà je pense que la plupart des gens ouais, reprennent des heures donc au final... Monde, ouais. Et puis on sait même pas, ils ont dit justement là, ils t'ont dit quoi aujourd'hui? Ils ont dit on décidera combien d'heures ils te font reprendre. S'ils lui font reprendre genre 10-15 heures, non c'est abusé là. Mais ouais. Non. Je pense qu'ils vont te faire reprendre, je sais pas, 5 heures. S'ils lui font reprendre 5 heures, c'est bien en fait, justement. T'as toujours une connerie à faire. 5 heures, justement, c'est bien parce que ça lui permettra aussi de plus réussir aussi, peut-être ouais, le jour au permis aussi. Donc, on dit rien. Ouais. Parce qu'il faut savoir quand même que les heures de conduite, ça coûte très cher. Enfin là, les heures de conduite qu'elle a fait, c'était quoi? T'as fait 20 heures, c'est ça? Yes. Pratiquement 22 20 heures. 22 heures. C'était tout compris dans un forfait. Donc le forfait, je dis pas qu'il est pas cher, mais en gros, c'est un forfait. Alors que je crois qu'une heure de conduite, c'est genre 40 ou 50 euros, même voire plus, hein, je crois. Ouais. Et donc, en une heure, t'as pas le temps de faire grand chose. Mmh. Donc là, il me reste en soi 3 heures, donc une heure, puis 2 heures d'affilée. Les 2 heures d'affilée, ce sera mes dernières séances que j'aurai faites. Et du coup, à ce moment-là, on fera un bilan de s'il me faut des heures supplémentaires ou pas. Du coup, voilà, on vous tiendra au courant. J'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que j'ai envie de le passer. Enfin, bref. Ma petite Vava. Ma petite Vava. Vous mettez tous un cœur dans les commentaires. Qui a rien, il est jaloux, il m'a sauté dessus, il est jaloux. Bref, là, comme d'habitude, je vous remercie de votre fidélité, de nous écouter tous les jours. Et puis voilà, je vous remercie pour Vava d'avance pour ceux qui vont la comprendre et la soutenir dans les commentaires, les potes. Et puis on se retrouve bien sûr ce soir pour le live. Donc ce soir, on est jeudi soir. Yes. Bien sûr. Donc on se retrouve bien sûr ce soir pour le live, demain soir aussi vendredi soir. Et du coup, samedi, au revoir. Ouais, samedi, vous aurez rien. Vidéo ? Oui, une vidéo, mais pas de live. On se retrouve aussi également demain pour une nouvelle vidéo. Peace! Peace.